Depuis le mois d'octobre, parents, grands-parents et professionnels de la petite enfance peuvent bénéficier d'une plateforme web à tous les jours. Une plateforme qui offre des activités, des trucs et des astuces pour les enfants de 0 à 6 ans. Originaire de Sainte-Martin, Lucie Brault-Simard a vécu à Salaberry de Valleyfield où pendant 18 ans, elle a été propriétaire de la prématernelle Les Petits Explorateurs. Spécialiste en petite enfance, avec son entreprise Les Productions dans la vraie vie, elle a mis en place depuis le mois d'octobre la plateforme numérique et pédagogique À tous les jours. À tous les jours, c'est la boîte à outils des éducatrices et des parents curieux pour qui la vie est un grand terrain de jeu à explorer avec les enfants. Nous avons créé la plateforme À tous les jours pour aider les parents, les éducatrices, les spécialistes, en fait, tout le monde qui s'occupe des enfants de 0 à 6 ans, à trouver des activités à faire avec les enfants. Mais des choses simples, des choses qui ne coûtent rien, des choses qu'on fait à partir de ce qu'on a sous la main. Je peux jouer avec des cuillères, des foulards, des boîtes. Je peux jouer avec des balles de tous les formats, de toutes les tailles. On peut jouer à plusieurs, on peut jouer seul. L'enfant peut reprendre l'activité par lui-même pour continuer à l'explorer à sa façon. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est le plus complet possible pour amuser l'enfant au départ. On veut que l'enfant s'amuse et en même temps, chacune des activités proposées, c'est écrit ce que ça permet de développer chez l'enfant. Et habituellement, ça permet de développer au moins 5-6 choses quand ce n'est pas 10 choses différentes. Là, je peux choisir une activité. Il y a plus de 2000 activités qui sont présentes présentement sur le site parce qu'il y en a qui sont rajoutées à toutes les semaines. Là, je choisis une activité. Bon, j'en ai déjà, moi, en mémoire, mais on peut écrire qu'est-ce qu'on veut. Admettons, je vais écrire motricité fine, motricité globale, langage, bon, qu'est-ce qu'on veut. Admettons, je choisis le sentiment émotion. Vous avez juste à regarder ce qui vous convient parmi les activités qui y sont. Comme tantôt, je disais, il y a des jeux de balles et ballons. Il y en a plus de 50 jeux de balles et ballons. Laquelle convient à votre type d'enfant, au groupe d'âge que vous recherchez à l'occasion? Un jeu extérieur, un jeu intérieur dans la nature, un jeu de table. Vous avez vraiment tous les styles. J'ai ici, bon, un jeu de parachute où on va parler des émotions. J'ai des imagiers, j'ai des images à colorier, j'ai des jeux, j'ai encore des explications, d'autres façons de l'illustrer, différents formats. Les activités qu'on propose, là, c'est pas pour mettre les enfants devant Internet. Les activités sont pour les parents qui vont les présenter aux enfants à ce moment-là et qui vont, on espère bien, jouer avec leurs enfants parce que c'est la façon la plus complète de développer l'enfant, c'est en jouant avec lui. Vous avez des visuels. Comme vous voyez, il y a des affiches. Il y a des jeux, comme ici, une suite logique qu'on découpe et que là, je peux imprimer, je découpe et l'enfant peut s'amuser à refaire la suite logique. J'ai des routines, j'ai des jeux, j'ai des affiches et j'ai aussi beaucoup d'activités. Les activités sont proposées un petit peu sous ce modèle-là. On a ce que ça nous prend, le groupe d'âge. On a ensuite de ça de multiples possibilités à faire avec l'enfant, y compris ce que ça permet de développer. La plateforme web À tous les jours fonctionne avec un système d'abonnement d'une durée d'un an et inclut tout le contenu du site. L'abonnement individuel est au coût de $19,99 par année. Un abonnement pour les entreprises et les organismes est également disponible. Je pense qu'il y a un grand intérêt du côté des parents pour faire des choses avec les enfants, et des choses simples. Et on est beaucoup aussi dans l'ère minimaliste. Hein? L'ère, on économise le côté vert de la chose. Et ce que je vous propose, c'est toutes des activités que vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. C'est pas plus compliqué que ça. À part les visuels, vous pouvez les imprimer. Les jeux, bien, vous les imprimez, vous les avez. Au lieu de payer 25 ou 30 ou 40 pour un jeu, oups, je l'imprime, ça m'a coûté 20 pas pour ce jeu-là, mais pour tous les jeux qui sont sur la plateforme, pour toutes les activités